Le fond vert est un outil intéressant pour certains projets vidéo. Avec un logiciel de montage, vous pouvez par exemple vous téléporter dans la cour de l'Élysée, ou bien présenter un journal télévisé, ou encore mieux, partir bronzer sur une plage paradisiaque. Si vous voulez faire des essais, n'achetez pas de matériel, trouvez simplement un mur vert. Par exemple, le tableau d'une salle de classe. Alors oui, le rendu laisse à désirer, mais c'est normal, le vert est un peu trop foncé. Et si on allume le néon du tableau, c'est pire. Mais au moins, ça vous permet de faire des essais. Une solution économique, vous pouvez recouvrir un mur avec des nappes en papier verte. Si si, je vous assure, ça fonctionne. Ce que vous voyez à l'écran a été tourné devant un mur de nappes en papier. Alors je vous l'accorde, c'est pas l'idéal. Et je ne vous raconte pas la galère pour fixer les nappes en papier avec de la pâte à fixe pour ne pas faire de traces. On peut également créer un fond vert partiel, tout simplement avec une affiche ou en collant des feuilles A4 vertes les unes avec les autres, ce qui permettra ensuite au montage de faire des incrustations comme si on avait un écran de télévision juste sur le côté, derrière nous. Heureusement, sur internet, on trouve des kits faciles à utiliser. Par exemple, pour 50€, vous disposez d'une toile de 2m/3 et d'un support. On vend même des kits avec l'éclairage en plus, mais j'en parlerai après. J'en profite pour remercier la DAN de l'Académie de Lille, la délégation académique au numérique pour l'éducation, qui m'a prêté un kit complet pour un projet Web TV avec des écoles d'Arras. Donc un grand merci. Bon, j'ai quand même mis 8 minutes pour tout monter, hein, donc je pense qu'à 2, ça va plus vite. La toile verte fait 2m/3. Si vous l'accrochez horizontalement, vous aurez une largeur maximale, ce qui vous permettra de vous déplacer lors de la captation vidéo. Vous avez vu, il fait aussi du soleil dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez aussi placer la toile verticalement. Vous ne pourrez plus vous déplacer latéralement, mais vous pourrez réaliser des incrustations complètes de votre corps. Une autre solution intéressante, le fond vert pliable, avec même un pied disponible en option. C'est déplié à la vitesse de l'éclair et les plis sont nettement moins nombreux. Et si besoin est, un petit coup de vapeur du fer à repasser et plus de problème. Le modèle que j'ai acheté possède deux faces, du vert et du bleu. Le bleu, c'est très pratique lorsque le sujet que vous filmez porte du vert. Alors par contre, si le sujet porte à la fois du vert et du bleu, ben, il n'y a pas d'autre solution que lui demander de changer de vêtements. Bon alors par contre, quand il faut le replier, là c'est pas évident. Hein. Moi j'ai encore un peu de mal, je pense qu'il faut avoir l'habitude. Généralement il me faut 3 essais pour y arriver. Hein. Dans le kit que la DAN m'a prêté, il y avait aussi de l'éclairage, 2 softbox et 2 parapluies. Malheureusement je n'ai pas vraiment eu le temps de tester, parce que... Oui, les 4 ampoules ont grillé en moins d'une minute. J'ai compris après. Le vendeur a fourni des ampoules 110 volts au lieu de 220. Bref, on attend de nouvelles ampoules. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur les fonds verts, enfin un peu mieux que les ampoules du kit. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la captation vidéo et du son pour votre projet avec fonds verts.